de yo émergence, de yo émergence, de yo, de yo. Soyez le bienvenu au journal d'émergence d'Abidjan.net. Salut tout le monde, prions tous pour la fête de Noël, pour que cette fête-là puisse permettre à chacun de faire son meilleur coup et puis accepter son voisin et se faire pardonner. J'aimerais revenir un peu sur deux choses aujourd'hui, c'est-à-dire le dialogue politique qui a démarré et puis le remaniement. Le dialogue politique parce que j'aurais souhaité que cela se passe avec honnêteté et sincérité. Il y a toujours des dialogues dans ce pays qui ont occasionné l'amour de beaucoup de personnes. Parce que chacun va à un dialogue dans son intérêt personnel. Éviter d'aller à ce dialogue avec des intérêts personnels, c'est-à-dire aller à un dialogue pour tirer l'avantage sur son parti afin d'assister au pouvoir. Comment manigancer pour rester au pouvoir définitivement ou alors pour chasser l'autre pour venir au pouvoir? Tout ce que vous devez faire, c'est le faire dans l'intérêt général des Ivoiriens. Ça, c'est capital. Parce que nous savons très bien le dialogue politique que vous êtes en train de faire, nous connaissons le montant des jetons de présence. Alors celui qui va là-bas, à cause des jetons de présence, ou alors celui qui va là-bas pour attirer l'avantage sur son parti politique, pour son intérêt personnel, je pense que le dialogue va échouer, alors que c'est les Ivoiriens qui payent les jetons de présence, on ne doit pas subir cela. Et puis je vous dis, nous sommes en Côte d'Ivoire depuis des années, on a vu le comportement des uns et des autres, qui a occasionné des morts d'hommes. On n'aimerait pas que ces personnes-là, pendant que nous sommes encore là, et que nous sommes en train de vivre une paix relative, que ces personnes, encore que ces personnes, de par leur langage, jettent encore de l'huile sur le feu. Émergence, doya. Et puis, demander au chef de l'État, au niveau du remaniement ministériel, et puis des audits, comme nous allons un peu à la fin de l'année 2021, pour engager la nouvelle année, je veux qu'on stoppe un peu le remaniement et qu'on stoppe un peu les audits. Ils vont bien passer leur fête et après la nouvelle année, dès que ça démarre, nous allons partir faire des audits et puis continuer à faire un remaniement. Il faut un remaniement. Et puis cette fois-ci, un remaniement en profondeur totale. Parce que un ministre, celui qui occupe un poste ministériel, doit être un exemple. Et puis aller en profondeur. Éviter que cette personne pense que être au gouvernement, c'est dans son village. C'est-à-dire, comme c'est son village, il est né ici, on doit l'enterrer ici. Non. Ce n'est pas une affaire de village. Pour que des gens puissent faire 15 ans, 20 ans, 30 ans dans un gouvernement. Et pourquoi? Ah non. Il faut toujours qu'il ait des compétences. Et donc, monsieur le président, faites un remaniement beaucoup en profondeur, avec des compétences. À la prochaine. Émergence, doya, émergence, doya, émergence, doya.